Et salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Alors les potes, aujourd'hui on est prêt, on est à quelques minutes près pour partir au pays. Donc on va passer par Alicante et Oran ensuite. Marseille, Alicante, Alicante, Oran. Voilà, bien évidemment, on va s'arrêter aussi en Espagne. Donc je vais vous embarquer avec moi. Là on va tracer en tout cas avec la famille. Donc je vous dis on y go. Alors les amis, petite pause pizza et c'est reparti. Pause Magnum, je crois qu'on va jamais arriver au bout du voyage. À chaque fois on fait des pauses, jamais on va y arriver. Bon, petite pause glace, ça fait zizir. Alors les amis, je vous récupère de nuit. Nous sommes dans le village catalan, c'est le dernier heure de repos avant la frontière espagnole. Donc voilà, juste pour vous faire un petit coucou, je sais que vous avez vu deux trois petites images, morceaux de vidéo vite fait, mais voilà quoi. Voilà voilà les potes, donc on se captera sûrement à l'entrée d'Espagne. Et je vous dis à tout à l'heure. Le lendemain. Le soleil qui se lève. On est reparti. Alors les potes, nous voici devant une plage espagnole. Et on est à Valencia. Et là, en fait, je vais faire un petit récap de ce qui s'est passé depuis. Alors, il s'est passé que... il faut savoir que les routes espagnoles, c'est rempli de puanteurs de ouf. Sur autoroute, il y avait... Mais il y avait là les endroits où ça puait de ouf. Genre s'il y a parmi vous des personnes qui prennent la route de temps en temps, qui sont du sud et qui ont déjà pris, ils peuvent confirmer. Mais il y a des endroits c'est waouh, ça pue. Bref. Et donc voilà, on s'est arrêté. Ce que vous avez vu deux trois petites choses, des petits morceaux de vidéo. Et là, on finit par une petite pause tranquille avant d'aller à Alicante. Là, on s'arrête vite fait à la playa. Voilà, voilà. C'est tout. On se captera juste après. Et je vous dis merci d'être là. Hey les amis, donc je vous récupère. Là, on est au port de Alicante. Voilà comment ça se passe. Tac. La petite sécurité là-bas. Alors, à la base, vous rentrez dans le port. Vous êtes là-dedans, ici. Et après, on vous appelle pour que vous puissiez aller de l'autre côté. Donc, voilà. Alors, je vous explique, la chaleur, elle est intense de ouf. Si vous avez la clim chez vous, je vous envie. Non, mais sérieusement, il fait hyper chaud. Là, normalement, on a le départ à 19h. Donc, et ensuite, je sais pas comment ça se passe. Alors, la chaleur, les gens qui sont impatients et tout, c'est un truc de ouf. Bref, voilà. Du coup, bah écoutez, on va encore se faire une petite coupure. Et on se capte une fois qu'on est dedans. Ok. Ok, bon. Rebond en action. Rebond en action. Donc voilà les potes, là on rentre dans l'hangar. Il faut savoir que nous on a l'écart d'accès. Et du coup, ben, on se captera juste après. Voilà, j'ai pas envie de trop filmer les gens, sinon après ils vont faire la réflexion quoi que ce soit. Allez, ciao ciao. Alors bref les amis, on est dans une petite cafétéria. Donc voilà, petite cafétéria. Je sais que je vous ai dit, je vous reprends juste après. Mais bon, hein, comment ne pas vous filmer dans une petite cafétéria? Voilà, on se pose. Petite pause café. Pour le frère, un petit coca. Pour le padre, un café qu'il a déjà déglingué. Hein? Ah, ça va. Il en reste encore. Voilà. Attends, juste envie de faire un petit truc. Tiens, vas-y. Alors les amis, voilà, je vous récupère vite fait pour faire la petite entrée de ce bateau, c'est lui. Et on se capte juste après, une fois qu'on commence à rentrer, à passer la douane, tout ça, tout ça. Donc je vous dis à tout à l'heure les potes. Les impatients se font entendre.
Alors, comment reconnaît-on un rebeu qui part en vacances avec son porte-bagages? Oh, je rigole avant de me canarder de... Hein? Bon les gars, on va pas tarder à rentrer dans le bateau. Je vais vous filmer la partie où on rentre dans le bateau. On va essayer de... Soit j'arriverai à vous faire le moment où on est à la douane, etc. Ou sinon, si je peux pas, ce sera directement... Si vous voyez la vidéo directement qui passe à l'entrée du bateau, ça veut dire que j'ai pas pu vous choper la partie où on patiente devant la douane. Et puis voilà. J'ai passé la cama à la madre. Attention, la madre est en train de filmer. Attention. Donc c'est là la douane, les gars. Là, je vous filme juste là, mais le passage exact devant le guichet, je le filme pas sûrement, mais on verra bien. On verra bien, mais je pense pas, là, j'ai pas envie de... On va dire que j'ai pas envie de prendre le risque de quoi que ce soit, donc c'est ici la douane. Dès qu'on le passe, c'est juste après, je vous filmerai la suite. À de suite. Alors les amis, je vous explique, j'ai quand même demandé l'autorisation. Est-ce que c'est possible de filmer la partie de douane? Parce que je voulais vraiment avoir cette partie-là. Mais bon, tant pis, j'ai quand même filmé. C'était au moment où je vous avais dit tout à l'heure, voilà, c'est ici la douane. Donc du coup, ça c'est le ferry. Il est là. On va le prendre. Et là, on a tout passé en fait. Là, on va s'apprêter à monter dedans. Donc voilà. Tac. Et je vais essayer de faire un petit cut une fois qu'on prend la passerelle pour rentrer carrément dedans. Donc je vous dis encore une fois, à de suite. Et voilà la petite passerelle. Hop. Ah, nickel. Alors je vous explique ici les amis. Les amis, je vous explique. En fait, dans le bateau, il y a deux parties. Je montre la partie en haut là. Il y a une partie, c'est la passerelle. En fait, quand la partie de dessous, elle est pleine, il baisse la passerelle et la voiture monte au-dessus. Donc du coup, là, tant mieux que je sois en bas parce que ça me fait, on va dire, un peu plus chier. Alors nous voici les amis sur le pont, c'est tout ce qui reste pour qu'il monte. Donc là vous avez Alicante au second plan. Alors on est monté, j'ai pas envie de vous filmer un peu l'état du navire, même si on va pas lui cracher dessus, mais c'est censé ce qui me ramène à bon port. Donc voilà les potes, en tout cas j'espère que cette première partie de vidéo, parce que oui ça va être en deuxième partie, ça va être en deux parties. Donc du coup je vais tout simplement vous filmer ça en deux parties. Donc voilà, vous avez Alicante, là juste derrière, vous avez un peu Alicante. Là, le petit bateau, le petit drapeau. Tac, tac. Après l'état du navire, hein, comme je vous ai dit, c'est laissé à désirer. Mais bon, on ne va pas cracher dessus. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Rien du tout. On va se quitter là-dessus. En tout cas, les amis, j'espère que cette première partie de vidéo, je sais que c'est un peu à l'arrache. C'est un peu le bordel dans cette vidéo. Un petit bout de vidéo par-ci, par-là, des petits arrêts, etc. Bon, après, j'ai vraiment envie de vous faire ça vraiment un peu à l'arrache. Qu'il ne soit pas vraiment du montage sur montage, etc. etc. Donc, en tout cas, voilà. J'espère qu'une vidéo comme ça, un peu de temps en temps, un peu à l'arrache, ça fait zizir. Et écoutez, qui c'est qui veut nager? Je vous parie qu'elle est hyper chaude, les gars.